Eh bien bonjour à tous les amis, je suis Pup-Up, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour un nouvel épisode sur Anno 1404. La dernière fois nous sommes attardés sur la production d'outils qu'on a fait ici. Et aujourd'hui ce qu'on va faire c'est qu'on va fabriquer des nouveaux bateaux. Vous avez été choisi pour représenter les intérêts de l'Empire. Oui, alors j'ai pas trop le temps pour ça pour l'instant. Moi ce qui va m'intéresser c'est d'avoir assez vite un chantier naval. Et lancer assez vite, hop, ça. Donc il va me falloir des cordages. Et pour le cordage, je manque un petit peu d'outils pour l'instant. Non, j'ai pas le temps pour Cette ça. affaire d'État ne doit plus être reportée. Oui, mais j'ai pas le temps pour ça pour l'instant. Combien d'outils il me faut pour pouvoir faire l'atelier de cordage? 5 outils, ok. Voilà, donc comme ça, on va pouvoir assez vite avoir un nouveau bateau. Nous, on va aller s'attarder un petit peu sur Les cette navires île-là. sont réputés dans le monde connu. Voyez par vous-même. Construisez les navires vénitiens sur votre chantier naval. Et ben, est-ce que ça veut dire qu'il faut venir ici? Non, peut-être pas. Alors, dès qu'on aura un bateau, on va faire une route qui va aller vers ici pour amener des matériaux de construction, tout ça, pour pouvoir étendre sur cette île-là. Ensuite, du coup, on va s'étendre un petit peu. Hop, on va donner les droits pour l'instant. Je vais devoir sans doute faire un nouveau bâtiment de marché. Vous méritez bien mieux que cette île. Tac, ici. Ah mince, matériaux insuffisants, il manque un outil pour pouvoir faire un nouveau bâtiment de marché et ainsi pouvoir étendre ma ville. Hop, voilà. Alors, éventuellement, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire ici un passage. Hop, et je vais décaler le marché d'une case. Voilà. Elles sont un petit peu décalées par là. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre, si possible, alors on n'a pas assez pour l'instant, mais je vais mettre une église ici, en gros, pour combler toute cette partie-là. Alors, ça commence à sortir du cordage, c'est bien ici. Possède de nombreux navires comme celui-ci. Il constitue le cœur de notre succès. Très bien, très bien. Je suis heureux de vous proposer mes services et ma flotte. On va essayer de faire un peu de diplomatie. Oh, c'est vous! Vous avez raison. Je suis bien l'auteur de ce traité. D'ailleurs, j'ai toujours regretté de l'avoir écrit. Mes services valent leur pesant d'or, vous dites? Ah, oui. Peut-être avez-vous raison. Ok, Une on a. transaction équitable. Merci. De la part du sultan, merci. Ok, on a reçu de l'honneur, ça, nickel. Alors, au niveau de cette île-là. Je vais avoir besoin d'augmenter de façon un petit peu Utilisez les les plans de bâtiments construction que je pour vous pouvoir ai avoir les fermes d'indigo. vous établir dans les régions du sud. Ok, j'en ai assez. Il me faut juste un nouveau rang diplomatique. Donc on va aller chercher auprès de Lord Nurseburg. Hop, c'était là. Un cadeau diplomatique pour le vizir.
Alors, où est-ce qu'on en est ici concernant les cordages? On en a 6, il m'en faut combien pour mon bateau? Il m'en faut 20. Donc ça progresse plutôt pas mal là. Au niveau des stocks, le chanvre, on est au max, donc on doit pouvoir mettre un deuxième atelier de cordage. Au pire, eh ben, on vendra les cordes. Un incendie fait rage dans votre colonie. Oula, pas bon ça. Un incendie fait rage ici. Oui, j'ai pas mis de pompiers encore. La production a été interrompue. Voilà. Fabuleux. Une honorable transaction. Voilà, et ça va aller éteindre l'incendie. Je vais peut-être avoir besoin de bâtiments de charpentier aussi, moi. À côté de ça, on va mettre un charpentier. Il manque juste deux outils, ça va aller assez vite. Et ça va couvrir une bonne partie de ma ville pour l'instant. Qu'est-ce que tu viens faire par là, Forcas ? J'aime pas trop ça. Alors, moi, il va me falloir ici un charpentier. Est-ce que c'est bon? Allez, hop là. Stop. Une île a été colonisée non par un autre joueur. C'était mon île, ça? Je croyais qu'on pouvait pas piquer les îles des autres. Ah, ça va être embêtant parce que l'indigo, il est là. Va falloir que je fasse très vite l'indigo. C'est Neptune, il s'attaque à qui? D'accord, il y a un navire de corsaire qui l'attaque. Ok, super. N'hésitez pas à venir visiter. Si je peux vous aider de quelque manière que ce soit. Voilà, et on va emmener ça à Alzaïr. Alors, par contre... Oula, mais il s'étend à une vitesse en plus. Ça va poser problème, parce que je pensais en fait... Donc là, je me fais avoir, parce que je croyais que je pouvais en fait garder l'île. Une fois que j'avais colonisé, il fallait qu'il me vire pour pouvoir m'avoir. Puisque c'est ça, on va venir s'installer là, nous. Si c'est ça. On va venir plus près. On va pas s'embêter. Alors, on va juste attendre qu'Alzaïr, enfin, d'avoir donné le cadeau à Alzaïr pour pouvoir avoir, j'espère, un rang diplomatique supérieur. Je suis peut-être un vieil homme, mais je ne suis pas idiot. D'accord. Oula, ah oui, d'accord, par contre le bateau, après ça, on va l'envoyer se faire réparer. Ici, du coup. On était en train de construire un atelier de charpentier. Hop, voilà. Au niveau des cordages, on en est où? On en a 12 sur les 15, il me semble qu'il faut. Sur les 20 qu'il va falloir pour avoir notre bateau suivant. Donc ça veut dire que je peux construire quelques maisons supplémentaires. Non, pardon, je vais avoir besoin de ça. Hop. Voilà, on va attendre d'avoir un petit peu de bois qui revienne. J'en ai là. Nickel. Toi, t'as pas besoin de ce bois-là.
Tout là c'est bon. On va peut-être remettre aussi une poissonnerie en plus. Enfin une poissonnerie. Une cabane de pêcheur plutôt. Alors, est-ce que je peux mettre mon deuxième cordier? Non, j'ai plus l'outil. M'amenez-vous un gage de votre amitié? Considérez mon geste comme un symbole de la confiance que je vous accorde. Voilà, on est donc invité des bédouins. Donc c'est bon, maintenant on peut faire de l'indigo. Ce dont j'avais besoin. Sur mon île ici, par contre, j'ai besoin de choses maintenant. Je dois pouvoir fabriquer des nouveaux bâtiments. Acceptez ces plans de construction comme cadeau de la part de notre peuple. Et du coup, je peux fabriquer maintenant du tapis. Et ici, j'ai de la soie, donc ça c'est nickel. Donc on va se mettre ici un atelier pour la soie. Donc il va falloir que je ramène des outils et du bois à ce niveau-là. Un joueur s'est établi sur de nouvelles terres. D'accord, oula, il est en train de s'étendre très très vite, Forcas. Ça risque de nous poser des problèmes, ça. Bon, il faut que ça nous ralentit, mon bateau amiral. Ce qu'on va faire, c'est que sur la route d'épices, on va mettre un petit peu de bois et un petit peu d'épices. Ah, peut-être pas 40. Je dis peut-être pas 40. On va prendre 5 tonnes d'outils. On va décharger ici le bois et les outils. Construction du navire terminée. Cool. On a donc notre nouveau navire. Hein, qui est ici. Et l'Achille. Toi, t'es en réparation. Nickel. Ah, puis il s'est mis à l'endroit où il y a tout le quartz, forcément. Il me gêne, la Forcas. Sinon, bah nous, on va aller se mettre là. Hein. Pas de problème, là, ici. Non, c'était de l'épice qu'il avait à ce niveau-là. J'ai cru voir une avec... Ah, c'est parce qu'il n'a pas d'indigo. C'est pour ça qu'il est venu là aussi. Alors, nous, on va s'étendre un petit peu ici. Ah oui, peut-être que j'amène différentes choses. Donc maintenant que ça c'est fait. Votre argent est en de bonnes mains avec moi. D'accord. Bon, j'en ai beaucoup d'argent. On va éviter de rentrer en guerre contre Forcas. Oh oui, j'en doute pas. Alors, on va charger tout ça. Les outils. J'aimerais bien en avoir un petit peu plus que 3. Alors, on va en prendre 5 déjà. Et on va emmener tout ça ici parce que moi je vais quand même m'étendre sur cette île là. Et j'ai besoin d'indigo sur cette île là. Donc on va en fabriquer. Pouvez-vous m'apporter votre aide ? 6 de pierre, oui, c'est faisable. Alors, on a un petit peu, je vois qu'on a un chrono, donc on va se servir de notre vaisseau amiral qui doit être réparé maintenant pour amener 6 de pierre. Hop, on va en amener 10, comme ça on en aura suffisamment.
Là, c'est l'Achille. Nécessite des patriciens pour avoir le vaisseau de guerre. Ok. Par contre, ça sert à quoi je te mette un atelier du charpentier si tu répares pas... Ah si, t'entends de réparer? Parce que là, j'ai l'impression que j'ai des maisons qui s'abîment. Alors, on va continuer de s'agrandir, nous. Pas de problème. Du coup, on va se mettre là, on va fabriquer de l'indigo. Je peux juste faire un bâtiment de commerce, donc on va pas aller très loin. Il va falloir que je ramène tout ça. Je regarde le corsaire, vérifier qu'il ne m'attaque pas. Je sais pas trop pourquoi tu décharges pas ici les épices. Qu'est-ce que j'ai fait de mal? Ah non, mince. Bien joué, c'était l'inverse. Ici, on décharge le bois et les outils. Et on les charge d'ici. Voilà, c'est comme ça que ça doit fonctionner. Alors, une noria est quasi sèche. Hop, et ben on va la remplir. Voilà, elle est repartie. Ah, elle était tarie carrément. J'étais en retard du coup. Ah, mes yeux, j'ai fait un bâtiment de marché. Si, c'était ça, je voulais, j'ai rien dit. Il va me falloir deux outils ici pour pouvoir avoir des fermes d'indigo. Voilà, parce que pour faire du tapis, on va avoir besoin de soie et d'indigo. Donc, l'on pourra fabriquer ici. Sur mon île qui est là. Tac, tac, et toi tu repars donc par ici. Alors, j'ai pas encore de patricien. Ce serait bien que ça arrive assez vite, ça. Pour l'instant, ils sont tous satisfaits au maximum, donc on va continuer d'agrandir en rajoutant, dès que j'aurai du bois, deux nouvelles maisons. Alors, il va avoir besoin d'une taverne aussi par là, a priori.
Alors, une taverne, une taverne. Non, ça c'est pas ça. De bois, 8 d'outils. Ok, on va attendre d'avoir ça et on va la mettre là. Ici, en attendant, ça y est, je commence à avoir des choses qui arrivent. On va donc pouvoir commencer à mettre un nouveau bâtiment. Et on va me mettre autour des fermes d'indigo. Alors j'ai pas encore assez. Et il va falloir que je regarde combien de champs on doit mettre dans une ferme d'indigo. Je crois que je vais aller acheter des outils ici. On va gagner un petit peu de temps. Alors ici, on a la chive qui arrive, qui va lui donner des choses. Le sultan vous autorisera à construire ces bâtiments. Alors, pour l'indigo ici. Combien de champs il faut? 5. Je peux avoir 5 champs. Un, deux, trois. 4 et 5 ici, on va pouvoir mettre la noria là. Un incendie fait rage dans votre colonie. J'arrive. Ah zut, je manque de bois pour la noria. Alors, l'incendie fait rage ici, donc il va me falloir en fait... Hop, on va te mettre là. Voilà, bon c'était la place qui était prévue pour la taverne, mais c'est pas grave, la taverne on va la décaler un petit peu. Voilà, attendant, on va faire les routes. Voilà, et on va mettre la noria ici. Que les affaires commencent. Je suis entièrement d'accord. Et après ça, on va t'envoyer explorer un petit peu. Cinq également, bah, la même disposition, hein, on va pas s'embêter. Une noria ici. Allah vous bénir. Ok, donc là il va manquer les outils. Les outils qui arrivent justement hop par ici. Et le bois il va arriver également. Par la prochaine. Par le prochain bateau. Alors ici, j'ai une épine qui est arrivée. Toi, on a dit qu'on t'envoyait par ici pour explorer un petit peu ce côté-là de la carte. Il va me falloir du bois.
tout ce qui va me manquer. Hop, et on va pouvoir envoyer ça par là. Alors, pour moi, dans ma tête, donc là, je me suis fait avoir parce que j'étais persuadé qu'une fois qu'il y avait un joueur sur une île, on pouvait pas aller dessus. Donc là, je me suis fait bien avoir par... par Guy. Bon, on le délogera à un moment, si il nous bat pas, bien évidemment. On essaiera de le déloger, ce sera la première chose qu'on fera quand on s'attaquera à lui. L'envie est également une chose qui se mérite. Ok, donc on va pouvoir vendre du lait ici. Hop, voilà, on va améliorer d'autres bâtiments un coup. Ici, donc, je vois qu'on va pouvoir vendre du lait. Et des dattes. Qu'est-ce qui est loin par contre cette île ? Allez, on va accélérer un petit peu. Hop, le voilà. Non, c'est pas lui. Je ne peux accomplir cette quête importante sans votre aide. Une nouvelle île a été découverte. Ok, j'ai 30 minutes pour lui amener 3 outils. Ça devrait pas poser trop de problèmes. On va laisser le Neptune arriver ici et on va le renvoyer. Vous avez découvert l'île d'un autre joueur. Ah, je suppose qu'on a découvert l'île de Guy. Laissez-moi vous aider. Alors, on a dit qu'on avait fabriqué ici une noria. Voilà. Et du coup, ici, la production d'indigo va commencer. Dès que la noria va s'étendre... Vous avez découvert un bâtiment sur une île. Ah oui, il est déjà beaucoup plus développé que moi, en effet. Il a déjà des patriciens et tout, ce que je n'ai pas encore. D'ailleurs, en parlant de ça, on va peut-être se développer un petit peu, nous. En remettant encore de nouvelles maisons. Ah, il leur fallait une taverne par là, c'est vrai. Une okay. Nouvelle île est en vue. Alors, on a une nouvelle île par ici. Avec... Oh, c'est sympathique là, du... Elle a l'air sympa cette île. Alors, font l'objet d'une quête. Je sais pas ce que c'est. Très bien. On va continuer par l'eau. Les paysans s'en vont, les mendiants s'en viennent. C'est la vie. La présence de mendiants augmente le nombre de citoyenneté, mais importune le reste de la population. Ah, ça y est, je vois que j'ai trop de cordes, va falloir vendre également des cordes. On va se relancer un navire aussi. Et je vois qu'il va me falloir un nouvel atelier de charpentier aussi par là. En fait, il faut combien d'outils pour Alzaïr ? 3. Donc on va lui emmener ça. Une nouvelle île est en vue. Très bien, très bien.
Ah, ça, elle est pas mal aussi, là. Oh, elle est grande, en plus. Elle a pas mal de choses. Ça pourrait être pas mal. Alors, je suppose qu'il doit y en avoir encore une, au moins, par ici. Ah, puis on va augmenter un peu la production de bois, hein, parce que là, je commence à... surtout si pour mon expansion je pense qu'on continue de m'en prendre. Non, pour l'instant j'ai personne qui veut progresser. Ah non, ça a lancé la production d'un nouveau navire. Ok, c'est pour ça que j'ai plus de bois. Terre en vue. Terre en vue. Ici, impeccable. Qu'est-ce qu'on va avoir sur cette île là? Construction du navire terminée. Nickel. Alors, si la construction du navire est terminée, je vais pouvoir lancer une nouvelle route de commerce. Hop, mince, hop là. Pour l'indigo. Qui va partir d'ici et qui va aller là. Qui va charger... de l'indigo et qui va le décharger ici. Et on va mettre notre nouveau navire, le Genèse. Vous ne voulez pas accueillir une petite troupe de pauvres hères? Non. C'est comme ça que vous voyez la charité. Tout le monde y trouve son compte. Assurez-vous que ces mendiants ne se regroupent pas en bande pour vous renverser. Oui. Ce serait pas mal. Allez, on revient ici, toi. Alors là, du coup, on va voir l'indigo qui va arriver. J'ai également déjà lancé une production. Vous en savez déjà beaucoup sur l'architecture orientale. Hop, et on va donc pouvoir faire un fabricant de tapis ici, que l'on va pouvoir mettre là. Voilà, on va en mettre un, si besoin on pourra en mettre un deuxième si on en a assez. Et voilà, l'indigo va arriver, et de la soie tu vas en avoir. Donc comme ça on va avoir des tapis pour ici. Ok, pour ça, ensuite, ici, on va continuer de s'agrandir. J'ai besoin d'avoir des patriciens, là, maintenant. Ah oui, non, il fallait une taverne, c'est vrai. Ainsi, t'as cessé de produire des marchandises. Hop, voilà la taverne. Et ils ont besoin aussi d'un atelier, j'ai l'impression. Il manque juste un de bois. Voilà pour ça. Et du coup, on va pouvoir continuer de s'étendre dès qu'on aura un peu plus de bois. Le tailleur de pierre, on peut vendre de la pierre du coup également. Bon, pour l'instant, je vois que tout ça, ça tourne plutôt pas mal. Allez, on a 6, on va pouvoir s'agrandir encore. Et on a des maisons qui vont pouvoir...
s'agrandir. Bien évidemment. Ah, vous êtes venu faire affaire. La transaction me convient. Non ? Les richesses ? Vous pourrez toujours compter sur mon hospitalité. Ah zut, je me suis trompé. Bah du coup, on va retourner chercher les outils. On va en charger là-dessus plutôt. Ah, plutôt tu vas voir Alzaïr. J'ai pas fait attention, ça. J'ai sans doute fallu que je clique à un moment. Et je n'ai pas fait attention. On a un petit peu d'outils ici, on va pouvoir peut-être s'agrandir un petit peu, essayer de faire quelques maisons supplémentaires. Histoire d'avoir un petit peu plus d'argent qui rentre avec les impôts. Voilà. Entrez, vous êtes mon hôte. Faites monter une équipe de recherche pourvue de 3 outils afin de trouver un trésor. Ah mince, c'est pas ce que je pensais en fait. J'ai pas fait attention, c'est pas du tout ce que je pensais. Zut. Bon bah tant pis, celle-là on la fera pas. je croyais que c'était juste livraison d'outils. Ah là là. Allez, on pourra construire des maisons supplémentaires, là il faut que je m'étende maintenant. On a plus de temps à perdre. On va mettre un bâtiment commercial ici pour avoir la route avec le bâtiment ici. Que Dieu vous bénisse pour votre aide. Voilà, je sais pas trop ce que ça va apporter. Nous montrerons digne de lui. Dieu se révélera à nous. Je serai heureux de vous aider. Vous avez atteint un nouvel état de ville. C'est impressionnant de voir la vitesse à laquelle vous avez mené cette colonie à l'opulence. Oui, hein. Alors, ce qui veut dire qu'ici, ils vont avoir besoin de foi maintenant. Et pour avoir de la foi, il va falloir une mosquée. Il va falloir que j'achète un nouveau rang diplomatique. Bon, ça, on verra ça la prochaine fois. Les chasseurs de trésors n'ont trouvé aucun trésor. Super. Par contre, ça va consommer les 3 outils. Alors, du coup, on va servir de celui-là. Et il faut aller sur quelle île ? Sur celle-ci. Ok. On va essayer d'aller trouver d'autres trésors ici. Alors, attends, on va continuer d'agrandir. J'aimerais bien avoir des patriciens. Je vais vous aider de quelque manière que ce soit. J'informerai l'empereur de votre extraordinaire dévouement. Les corsaires attaquent votre navire. Quel navire ?
Ah, c'est le navire avec le trésor en plus. Avec le futur trésor plutôt. Bon, c'est bon, il s'arrête. Ils ont dû voir un bateau plus intéressant pour eux. Alors du coup ici, est-ce qu'ils ont au niveau des tapis, est-ce que ça on a beaucoup de stock éventuellement? Pas encore beaucoup, mais du coup on va pouvoir commencer à en vendre. Et là, ça cherche le trésor. On va attendre qu'il termine ça. Pendant ce temps-là, nous, on va continuer d'agrandir notre ville. Vous possédez maintenant un trésor. Nickel. Ah, il faut que je le ramène du coup au vizir. J'aurais peut-être bien besoin d'un atelier aussi par là. Ennemis ont été aperçus dans vos eaux territoriales. D'accord, il s'attaque à mon bateau. Alors, viens par là, toi. Plus ça tombe bien, il vient à notre rencontre. A priori, on va le détruire sans trop de problèmes. Alors, où est-ce qu'on est notre bateau ici? Il arrive pour terminer la quête auprès d'Alzaïr. Et nous, là, on continue de se développer. Avez-vous des nouvelles à me donner concernant l'affaire que je puisse, Allah, vous bénir pour votre bonté à l'égard de mon peuple? Sans problème, on va juste ramener le bateau ici pour se faire réparer. Et puis bah du coup, nous on va s'arrêter... Attends, ils en sont où les corsaires au fait? Ok, on a détruit les corsaires, nickel. On va faire réparer le bateau du coup. Alors, et bah du coup nous on va s'arrêter là pour aujourd'hui. J'espère que cet épisode d'Anno vous aura plu. On se retrouve dans quelques jours pour la suite. D'ici là, je vous souhaite à tous une bonne fin de journée et je vous dis à la prochaine.